Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, tu te doutes qu'avec Ilyes qui se pointe à la soirée. Ouais, putain, mais. J'ai vu t'avoir comme tout avec ça, c'est bien, tu me prends à part. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais imagine qu'on a raison. Comme quoi, Ilyes il kiffe et tout. Mais non, on sait pas. Mais il fait ce qu'il veut, c'est bon, mais on est juste potes, quoi. Bah ouais, de ton point de vue, oui. Ouais. Mais qui dit que lui, il espère pas plus? Toi-même, tu m'as dit qu'il était de plus en plus ambigu. Non, pas Ilyes. Dans tous les cas, je sais pas quoi faire. Tu lui briseras son petit cœur. Non, mais t'imagines. Mais avec tout ce que tu me dis là, si tu auras 100%, Jérémy veut t'habiter. Mais il assume pas! Ça me casse les couilles. À chaque fois, je lui dis, faut qu'on parle. Il trouve des excuses, enfin, il fait des blagues. Ouais, mais en même temps. Tout ça parce qu'il a la trouille d'entendre que moi, je veux pas de sa bite, comme tu dis. Mais en même temps, comprends-le, le pauvre. Chelou comme il est en ce moment, on te refouler de ses trucs. Non, mais j'en sais rien, moi, t'es bizarre, hein, je suis pas dans sa tête. Non, bah, je fond de monde pour Ilyes. Théo et Anna, ils pensent. Non, mais Théo et Anna. Mais ils en sont sûrs. Bon, ok, moi aussi, au début, j'y ai cru, mais. Mais depuis. Ah vous, là, je m'écoute avec une meuf. Non mais gros, t'es sérieux? Si tous les célibes étaient PD, dans ces cas-là, tu l'es tout autant que lui, hein. Non, enfin, non mais excusez-moi, mais il est pas efféminé, mais il est presque... Non mais ta gueule. Oh, t'exagères. Attends, mais moi j'irais plus l'inverse. Attends, mais Jérém, il est trop chelou, mais il est non, pas clair de vous parler de ça. C'est les deux, je vous dis. Mais je te jure, je ne parle avec lui, là. Si on a un des deux qui mito, c'est certainement pas lui. Bah, qui te dit qui mito? Ça se trouve, c'est mutuel entre eux, ils osent juste pas nous en parler, ni se l'avouer entre eux, tu vois. Mais aussi les filles, sinon, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas aucun des deux? Je sais pas, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, nous on est là à parler sur Ilyes et Jérém, à parler de leur cul, au final, même eux, ils finissent par y croire. Frère, en vrai, je m'en bats les couilles, ils font ce qu'ils veulent. Eux, faut qu'ils se lâchent aussi, à un moment, au bout d'un moment, faut qu'ils s'enfuient, quoi. De ouf, je suis sûr que ça leur ferait tellement de bien de se taper dans le cul. Oh, depuis le temps qu'ils se retiennent, bon, je te jure. Ils vont finir par exploser, mais tu vas voir qu'à un moment ou à un autre, ils vont se lâcher. Ils se sont parlé ce soir? Mais là, ils continuent de se faire la gueule, ouais. Et concrètement, vous savez pourquoi ils sont en froid, là, depuis une semaine? Bah, c'est lié à ça, c'est évident. Mais c'est vous aussi, là, vous leur faites croire n'importe quoi. Bah, attends, tu vas me dire qu'après tout ce qu'on a appris là, t'as toujours des doutes sur toi? Mais va le voir, putain, de toute façon, c'est trop tard, là. Franchement, tout le monde parle sur vous maintenant que vous êtes les seuls à pas avoir franchement abordé le sujet, là. Mais si c'est vrai, je peux pas le forcer non plus, c'est à lui de venir me voir. Enfin, c'est violent comme situation, mettons à sa place un peu. En plus, avec vous tous qui lui mettez la pression. Bah, franchement, enfin, un peu de compassion, hein. Je commençais vraiment à m'inquiéter là. Mais y'a pas à s'inquiéter, enfin. On est toujours potes, enfin, y'a. Au lycée, j'étais tombée amoureux de mon meilleur pote. Évidemment hétéro. Ah ouais? Horrible comme situation. Tu lui as dit? Ouais. Et on se parle plus aujourd'hui. De base, je me suis dit que j'aurais dû le garder pour moi, mais en même temps. Ouais, ça aurait été compliqué. Ouais, puis c'est là que tu te rends compte de la vraie nature des gens. Lui, par exemple, il a eu la pire réaction. Donc, au final, ouais, je perds un pote, mais c'était un vrai connard. Enfin, je te dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais pas bien. T'inquiète, je serai plus con. Non, je crois que j'ai tout foiré. Ah ouais, encore? Non, vraiment, ça me saoule. Moi, j'y vais, Laura. Oui. Tu t'en vas déjà, là? Vas-y. Faut que j'y aille. Bah, du coup, tu dors pas chez moi? Ouais, non, je passe super tôt demain. Je t'accompagne? J'ai envie de fumer. Ouais? T'as du feu? Ouais. Putain, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est Nana. Qu'est-ce qu'elle vient te raconter encore? Je sais pas. Tout le monde s'est emballé, je pense. Une sorte de téléphone arabe, le truc. Mais nous, on est assez cons pour y avoir cru, probable. Je te jure. Anna et Marion. Enfin, je les aime bien, mais je leur dirai plus rien. Enfin... Bon, j'y vais. Salut. Ouais.